Donc, je vais continuer le cours par vous rappeler juste peut-être deux résultats que j'avais énoncés précédemment. C'est donc, je vais vous donner juste quelques éléments de démonstration succincts de ce premier théorème que j'avais obtenu. Énoncé la dernière fois. Donc, si l'énergie de la donnée initiale est inférieure strictement à l'énergie de W, enfin, avec la dérivée en temps égale à 0, alors on a trois alternatives. Petit i, dépendant de la taille de la donnée initiale dans H1 point. Donc, si on est inférieur à W, essentiellement dans H1 point, alors on a existence globale plus scattering. Le cas égalité ne se produit, peut pas se produire à cause des des inégalités de Sobolev, ça je le préciserai, donc impossible. Et 3i, si c'est plus grand, si U0 est plus grand que W, alors on a explosion en temps fini. Voilà. Alors, je vais vous donner, et puis le théorème principal du cours, je l'ai énoncé, je ne vais pas en parler tout de suite cette fois-ci, donc c'est inutile que je le rappelle pour ce cours-là. Je vais vous donner un peu quelques éléments de démonstration de ce résultat-là. Hein. Donc, j'arrive... Donc c'était un peu, c'est le principe de la méthode de concentration par compacité, donc c'est avec Carl Schwenning et moi-même. Donc là, on va regarder tout de suite, donc vous voyez bien que vous avez des conditions sur la donnée initiale, alors qu'on regarde des propriétés dynamiques, donc il faut la première chose à vérifier. Ces conditions sur la donnée initiale sont préservées au cours du temps. Hein, sinon, ça aurait pas de sens de donner une condition sur la donnée initiale et avoir des informations sur en temps différent de zéro. Donc, c'est des estimations variationnelles. Donc, estimation rationnelle. Donc, on va vérifier que ceci est préservé au cours du temps. Donc, la seule quantité qu'on va utiliser, enfin, il y a deux informations. Il y a la conservation de l'énergie et les inégalités de Sobolev. Alors, c'est quoi les inégalités de Sobolev? C'est en dimension 3, la norme... Alors, la norme L6 est inférieure ou égale à C3 gradient de U. Voilà, quel que soit U, dans H1 point. Donc C3 est une constante en fait explicite qui peut se calculer avec la fonction gamma. Bon, sa formule explicite n'a pas d'intérêt. Par contre, l'intérêt est que on connaît ces maximiseurs. Donc si on a égalité. Alors, c'est équivalent, en fait, à U aux invariances de l'équation près égale W aux invariances de l'équation près. Euh,
Donc ça veut dire il existe lambda 0, il existe x0, tel que U est égal à lambda 0 puissance 1/2, W, je vais rappeler ce qu'est W, x moins x0, voilà. Et W, c'était la fonction que j'avais introduite qui va jouer un rôle important, non, qui est 1 sur E plus x 3 puissance 1/2. Voilà. Alors, comment on démontre ceci? Vous avez un problème variationnel dont vous considérez S de U puissance 1 tiers. Donc c'est une... Alors pour U différent de 0, disons. Voilà. Ou l'inverse, ou 1 sur S. Donc ça atteint un extrémum en W. Alors c'est facile par les inégalités, démontrer des inégalités de Sobolev pas forcément optimales, que cette quantité-là est toujours minorée. Et en fait, disons au minimum, la fonction est forcément positive, parce que par la symétrisation de Schwarz, c'est-à-dire qu'il fait diminuer le gradient. Et ensuite, tout minimiseur et solution de l'équation elliptique laplacien de U plus U5 égale 0, disons avec une constante près, scaling près, disons, à translation près, sur R3, et U est positive. Et en fait, bon, disons, ceci est U différent de 0. Et maintenant, on utilise un théorème, la méthode, c'est la théorie elliptique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir les outils qu'on utilise, parce qu'on retrouvera ce résultat dans la théorie, en fait. C'est que, en fait, cette équation-là a une structure assez compliquée, mais pour les solutions positives, la structure est très simple. C'est-à-dire, si vous avez une solution positive, elle est radiale. Et ça, on le démontre par la méthode des moving planes, ou des plans qu'on bouge, la méthode Alexandrov. Et en fait, si elle est positive, si elle est radiale, c'est facile de voir, si vous regardez l'ODE qui est relié à ça, ben y a une quantité exceptionnelle. Cette ODE du deuxième ordre peut se réduire à une ODE du premier ordre à cause de la puissance 5. C'est exceptionnel. Et ensuite, l'ODE du premier ordre, vous avez essentiellement un paramètre de liberté qui est le lambda 0. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc, c'est ceci qu'il faut savoir, ces deux choses-là. Et la conservation de l'énergie. Donc je vais juste vous écrire la conservation de l'énergie, U de T. U6. Alors, je vais tout de suite vous montrer que si vous êtes à... Donc, l'énergie... pour une solution est conservée jusque dans son temps maximal d'existence. Donc vous avez égalité. Et si vous partez strictement inférieur à cette énergie-là, alors cette situation-là, cette quantité-là est une quantité continue du temps, donc quel que soit t appartenant à 0. Plus le temps maximal, cette quantité là vérifie ça, et si ceci était vrai, donc c'est une quantité continue, donc si elle doit passer d'un côté à l'autre, en fait le fait que c'est conservé au cours du temps découle de cette propriété là, c'est que on peut jamais passer par cette valeur là. Alors pourquoi? Mais si j'ai V0 V1, euh,
avec gradient de V0 égale gradient de U2. Alors, j'ai cette propriété-là. Ou égalité, disons. Bon, voilà. Vérifions-le. Donc cette propriété découle de ça. Alors, comment on démontre ça? Bien, on regarde ce que ça vaut E de V0, V1. Donc, j'ai un demi de gradient de V0. V0 puissance 6, plus une quantité positive, donc c'est supérieur ou égal à donc l'énergie, je la mets toujours supérieure ou égale à ça. Alors maintenant, je suis à égalité, là, donc je remplace gradient W. Alors maintenant, je vais... Qu'est-ce que je sais sur cette quantité-là? Alors, V0 puissance 6, c'est majoré par C3 puissance 6. Gradient de V0 au carré, au cube. Alors, ceci, c'est juste V0 puissance 6. Est égal à C3 puissance 6, gradient de W au carré, cube. Et donc cette quantité-là, alors pourquoi j'ai mis un moins, excusez-moi, donc c'est un plus. Donc c'est supérieur ou égal directement à cette quantité-là, donc moins un sixième, C3 puissance 6, mais en fait, tous ces calculs sont des égalités si V0 était égal à W3. Hein? Pour V0 égale W, vous avez égalité de partout. Donc ceci est juste l'énergie de W. Hein? Donc c'est la méthode du piège qui est classique en sous-critique, voilà, et qui est liée aux injections de Sobolev en critique. Donc on reste forcément soit d'un côté, soit de l'autre. D'accord. Alors, c'est très important parce qu'on va voir que en fait, on ne connaît pas complètement l'ensemble de certains objets que je vais définir comme compacts, mais par contre, à l'intérieur de ce piège, la démonstration va être de démontrer que l'ensemble des objets qu'on appellera compact, n'existe pas. Donc cette constante est très importante. À la suite. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la méthode de concentration par compacité. Alors, en anglais, Concentration Compactness Method. Voilà. Alors, ceci est lié à la théorie, cette fois-ci, de l'espace que j'ai intervenu, L8. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si... pour les petites données, on avait toujours scattering. Hein, donc je vous rappelle, c'est que si la donnée initiale, gradient de U0 plus V1, est inférieure à un epsilon 0, qui dépend des inégalités de Stricarts, alors la solution U de T était globale et se comportait comme une solution linéaire à l'infini. Hein, donc c'est ce qu'on avait V0, V1. Dans l'espace d'énergie. H1 point, croix L2. Voilà. Et en fait, une autre façon de dire ces choses-là,
c'est de faire aussi un point fixe dans. Alors, ces choses-là sont en fait équivalentes à dire que la norme de la solution dans L8, alors cette fois-ci, c'est pour dans R3, quoi, R, est petite. Bon, alors en fait, c'est une constante fois epsilon 0 puissance 6. Là, c'est au carré, au cube. Voilà. Alors, ces deux choses sont en fait reliées. Et ça, c'est pour la solution linéaire et non linéaire. Et tout ceci se fait par point fixe. Donc, si vous voulez, le principe d'une solution qui scatte se voit dans L8. Donc, si la norme L8, alors, il faut de la solution soit linéaire, soit non linéaire. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est un peu moins connu. En général, les gens parlent d'une information sur l'équation linéaire. Mais en fait, si on a une information sur l'équation non linéaire, c'est la même chose. Et petite, alors on a bien une solution qui scatte. Voilà, par une méthode de point fixe. Donc, pour avoir l'opposé d'une solution qui scatte, il faut juste dire qu'on a une solution telle que la norme L8 est grande. Et c'est le point de départ de la méthode de concentration par compacité. Donc on suppose que pour une suite de données initiales U0n, U1n, la solution, alors on peut parler de la solution linéaire, S de t, alors, est supérieur à une certaine constante, parce que en fait, non seulement la solution scatte, mais en fait, si on prend ensuite pour des temps de plus en plus grands, ceci devient de plus en plus petit. Donc, on dit que c'est supérieur à un certain M0. Voilà. Et donc, a priori, ceci est un peu l'opposé, donc c'est plutôt une grande solution linéaire, à l'opposé d'une petite solution linéaire qui est mesurée par cette quantité-là. Alors, c'est là où la première apparition de l'espace critique intervient. Vous voyez que tous ces, si vous faites les changements d'échelle sur les données initiales, vous ne changez aucune de ces normes. L8, norme énergie, etc., ne change pas. Donc, on travaille sur des objets qui sont invariants par changement d'échelle. C'est très important. Donc, essentiellement, si on a ça, on va avoir un profil. Il va exister. Alors, je ne sais pas comment ça a été noté. Alors, un profil U, je vais juste ne pas écrire la décomposition en profil de façon générale. Il existera un profil U tel que bon, je vais quand même introduire une notion de profil un peu plus. Alors, je vais les faire dépendant d'un paramètre J. Bon, par exemple, fixons pour de J allant jusqu'à un certain grand J. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais avoir une somme de profils apparaissant à différentes échelles, soit de temps, soit d'espace, donc avec des paramètres ici, UJ, X, alors ça va dépendre de N, voilà. Alors, tout ça, c'est des paramètres libres, a priori, voilà. Plus quelque chose, je vais écrire ça, WJ, qui est petit dans tel que S de T, WJ, alors je vais mettre WJ 0 par exemple.
petit inférieur à un certain epsilon 0, quel que soit epsilon 0. Donc, quel que soit epsilon 0, il existera un J, un certain nombre de profils, tels que, quitte à enlever des certains blocs qui apparaissent à différents endroits de l'espace, attention, ces fonctions-là sont indépendantes de la suite, hein, enfin de la sous-suite. Je dois extraire une sous-suite pour avoir ceci. Puis quelque chose de petit dans L8 qui vérifie cette propriété-là. Voilà. Alors, une petite subtilité pour permettre de très grandes oscillations. Ceci est petit dans L8, mais pas forcément petit dans cet espace-là. Ça, c'est une petite subtilité qui est importante à comprendre. On doit accepter d'avoir des données initiales qui sont grandes dans l'espace H1 point, mais qui sont petites dans l'espace de Strickhartz. Voilà. Et ensuite, le but de la méthode. Alors, les lambda JN, etc., sont essentiellement découplés, donc ils ne vont pas se voir. Donc c'est le même principe que la méthode de concentration par compacité de Pierre-Louis Lyons, sauf qu'on doit rajouter un paramètre supplémentaire de temps ici. Voilà. Donc ça c'est une méthode générale qui a été introduite par Bahoury, Girard dans l'équation des ondes, par moi-même et Vega dans l'équation de Schrödinger, et essentiellement pour la théorie elliptique, dans les années 80, par beaucoup d'auteurs. Donc on peut voir essentiellement compilation de tout ça par Pierre-Louis Lyons dans le cadre elliptique. Et le principe, c'est ne pas travailler sur des propriétés, essayer de traduire les propriétés sur une sous-suite de données initiales par des propriétés sur ces fonctions fixes, pour pouvoir démontrer des théorèmes. Alors, le fait que c'est. Alors, il y a un peu de technicité introduite là-dessus. Pouvoir utiliser ces profils, etc., bon, ça demande un peu de dextérité technique, mais il faut penser comme si c'était des fonctions qui ne se voyaient pas. Voilà, alors je ne vais pas. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Mais ça, c'est général, si vous voulez. Et en fait, c'est le cœur du problème n'est pas ici. Le cœur du problème n'est pas non plus dans l'approche variationnelle, parce que c'est finalement assez standard. C'est juste pousser un peu la théorie elliptique qui était connue. Donc, le cœur du problème, c'est cette partie-là. C'est la partie rigidité. Voilà, c'est essayer de voir alors je vais un peu la détailler dans le cas de petit i. Alors, supposons dans le cas de petit i que le théorème est faux. Alors, c'est un peu le même principe que les problèmes variationnels dans les années que les gens ont regardé dans les années 80. On suppose que le problème n'a pas de solution et on démontre des contradictions. Donc, ces conditions-là, c'est un peu relié à la méthode de Paley-Smail. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, une bonne... En utilisant tout cette approche de décomposition, on va démontrer la chose suivante. On ne va pas travailler pour une solution générale, telle que qui ne marche pas dans le cas petit i. On va travailler pour une famille de solutions qui est minimale. Donc on introduit une notion de minimalité. Alors, la notion naturelle de minimalité, vous l'avez là. Donc, vous savez que pour petites données, c'est global. Alors, il faut savoir que si vous regardez la norme H1 point au carré ou
où l'énergie, pour petit donné, c'est un peu la même chose. On va travailler avec l'énergie, donc c'est plus pratique. Donc dans le cas pour toute donnée U0 inférieure à gradient d'UW, on peut facilement voir que cette quantité-là est un peu contrôlée par des constantes, C0, hein. En particulier c'est coercif. Voilà, on va travailler. Excusez-moi, non, j'ai mis les deux fois la même chose, donc c'est énergie de U0. Bien. C0 ne dépend pas de la donnée initiale, hein, elle dépend juste de la dimension. Et donc, une autre façon d'écrire les choses pour ces fonctions-là, c'est de dire si l'énergie, alors gradient de V0 est inférieur à gradient de W. Attention, cette propriété-là n'est pas du tout vraie pour des grandes fonctions. En particulier, vous avez des grandes fonctions telles que l'énergie est négative, donc ce n'est pas coercif. Mais dans cette zone-là, ces quantités-là sont à peu près équivalentes. Alors, U0, je réécris cette propriété-là. Alors, on a notre théorème. U de t est global. Et la normale 8 de ma fonction, même dans tout l'espace, est finie. Donc ça veut dire scattering, hein, c'est une autre façon de dire les choses. Alors, maintenant, voilà, je vais me placer au premier seuil où cette propriété est fausse. Donc il existe une énergie critique, hein, c'est essentiellement comme si dans les problèmes de minimisation de fonctionnels, vous regardez le minimum d'une fonction. Bon, là, ou minimum ou maximum, donc là, je maximise plutôt l'énergie dans ce sous-ensemble-là. Donc, il existe C tel que... Donc, je suppose toujours que c'est inférieur à W, et... un moins delta, pour tout delta, alors U est global, S4, hein, et donc la norme est aussi la norme L8 est finie. Et il existe une séquence U0N, U1N, telle que qui se trouve dans cette quantité. Tend vers EC, est tel que ceci n'est pas vrai. Alors la meilleure façon de dire que ce n'est pas vrai, c'est juste dire que la norme, par exemple, que cette quantité-là tend vers est infinie. Donc je vais prendre la norme L8 de la solution UN de T, R3, quoi X, alors TN plus, égale plus infini. Voilà, hein, ça c'est bien la contradiction. Alors, comme cette suite est minimale, si vous faites, donc en particulier, vous êtes bien dans cette configuration-là. Et vous voyez que si les sens se décomposaient en plusieurs blocs, et chacun des blocs aurait, comme l'énergie est coercive et l'énergie se découplerait, aurait une énergie strictement inférieure à cette énergie critique, et on pourrait appliquer ce résultat. Et par découplage, on obtiendrait, sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a un lemme
d'interaction qui fait que si chacun, pour chacun des UI, la norme L8 est finie, c'est-à-dire qu'il y a scattering, alors on a pour cette combinaison-là aussi la propriété-là. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut... En fait, dans cette décomposition, il existe J, il existe bien un U1. La norme L8 de U1 est infinie. Et en fait, on peut voir aussi que dans cette décomposition, il apparaît qu'un seul profil. Sinon, ça diminuerait strictement l'énergie. Et donc, l'énergie de U1, que je vais appeler juste maintenant, bon, appelons U1, égale l'énergie critique. Alors, maintenant, le même principe de la démonstration qui m'a fait extraire une sous-suite va me dire tout de suite que cette... Alors, je n'ai pas gagné grand-chose, sauf que j'ai obtenu que j'ai une fonction... J'ai la même chose là. Au lieu d'avoir une convergence vers un niveau d'énergie fixe, je suis sur le niveau critique. Alors, ça a l'air de pas grand-chose, mais en fait, c'est très important pour la suite, parce que sur cette fonction U1, je vais pouvoir démontrer des propriétés qui sont contre nature pour cette équation. Donc, maintenant, en fait, de façon générale, alors, c'est une sorte de... Il y a un des tout derniers résultats que j'ai fait avec Thomas Dukaerts et Carlos Kenning, qui démontre, sur une petite hypothèse de technique, que ce U1-là est en fait très particulier. Ça peut être que à une transformation qu'on appelle de Lorentz, que je vais introduire plus tard, une solution de l'équation elliptique. Donc, U1 n'est pas une solution générale, n'est pas une donnée initiale générale. Hein, tout le but... Et c'est ça la rigidité, c'est de démontrer que U1 est relié à mon problème d'où vient mon W, c'est-à-dire l'équation elliptique. Donc U1 est solution de mon équation elliptique. Alors U1 que je vais juste noter U maintenant. Alors ça ne peut pas être exactement ça, disons, aux invariances de l'équation près. Alors, c'est un très long chemin de pouvoir démontrer cette propriété-là. Donc, en particulier, la solution qui part de U1, c'est juste U1. Ça ne change pas au cours du temps. Hein. Et donc, on ne peut pas démontrer ça immédiatement. Ce n'est pas possible. Enfin, du moins, on ne sait pas le faire. On boucle... La boucle, si vous voulez, donc on est parti d'un problème dispersif et on s'est ramené à des quantités purement elliptiques, qui était bien le but de cette méthode de Kenning-Mayer, de relier un problème dispersif à des relié à des inégalités de Schrickhartz avec un problème purement elliptique relié à des inégalités variationnelles, inégalités de Sobolev dans ce cas-là. Voilà. Alors, quels sont
quelles sont les différentes étapes ici? Alors, la première étape, qui est très simple, c'est de dire que, alors on a introduit une notion de solution compacte, U de T, la solution qui part pour donner un signal U1, U de T, et grand U de T, et une solution compacte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'aux évariances de l'équation près, donc, alors prenons T appartenant à 0T+, alors T+, est fini ou infini, donc, et on définit le, pour un certain paramètre lambda de T et x de T, que vous pouvez supposer continu. Il n'y a pas de problème particulier relié à ça. Donc, alors c'est des inconnus du problème. Hein. Donc, si je fais un changement d'échelle sur U, alors, je vais mettre, je vais le faire de façon complète pour la première fois. Donc, je le fais aussi sur la dérivée, bien que dans la suite, je n'écrirai pas forcément toujours les formules pour la dérivée. Voilà. Pour T. Alors, c'est là où tout est la subtilité. Donc, si, tant que je suis sur un intervalle d'existence régulière, il n'y a pas de... Cette propriété est vide. Mais maintenant, je la pousse soit jusqu'à plus infini, soit, s'il y a explosion, jusqu'au temps d'explosion. Et je vais supposer que ceci est un compact dans l'espace d'énergie. Alors, j'insiste... le temps va jusqu'au temps t+. Hein? Parce que si j'avais une existence d'une solution régulière sur 0, petit t0, bah, vous prenez lambda égale constante, x égale 0, et ça marche. Donc lambda égale 1 et x égale 0, ça marcherait toujours. Par contre, aller jusqu'au temps d'explosion ou jusqu'à t égale plus infini, ça introduit de vraies contraintes sur la solution. Alors, quels sont les exemples? Alors, premier contre-exemple, si vous prenez une solution, une solution linéaire, ceci n'est pas vrai. Donc, remarque 1, est-ce que cet objet est vide ou pas? Alors, ce qu'on veut éviter, c'est les comportements linéaires. Donc, premier cas, prenons U de T égale une solution linéaire, S de T, V0, V1. Alors, pour me simplifier la vie, je vais vous faire des dessins en dimension, ça c'est X, mais prenez ça X comme une sorte de rayon, et je vais utiliser le principe fort d'Huygens, alors je vais juste faire des dessins là-dessus, c'est-à-dire la vitesse propagation finie en dimension impaire pour l'équation des ondes linéaires. Et par exemple, je suppose que ma donnée initiale est un peu à un support dans la boule de rayon R0. Voilà, donc j'ai 0 ici. Alors en fait, bon, je fais un schéma assez simple. Là, j'ai le T. Donc le support de la donnée initiale est dans cette boule-là, par exemple. Et à l'extérieur, j'ai une petite énergie. Alors, ce qu'on peut démontrer, c'est que la solution linéaire a son énergie essentiellement dans des couronnes, hein, donc dans des anneaux. Donc là, j'ai fait juste un schéma en dimension 1, mais vous pensez que x, c'est comme r. Ici. Donc son énergie est là, mais elle est complètement délocalisée. Donc elle est donc l'énergie de la solution
est essentiellement concentré pour R compris entre T moins R0, T plus R0. Hein? Si R égale module de X. Alors, ça, donc, du coup, ceci n'est pas du tout vrai. Donc, ça voudrait dire que mon lambda de T est d'une part égal à T. Mais si je renormalise par rapport à T, je me retrouverai avec une solution très concentrée, avec sur un anneau 1, de taille 1 par exemple, et 1 plus 1 sur T. Et donc ça, c'est pas du tout compact. Alors à nouveau, c'est compact jusqu'à T égale fini, mais quand on fait tendre T vers l'infini, ça tend... Si vous prenez le gradient de la solution au carré, ça tend vers une masse de Dirac, hein, c'est pas possible. Donc la solution linéaire ne vérifie pas du tout cette propriété-là. Donc ça, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'on a réussi à écarter les comportements linéaires. Alors maintenant, les exemples de solutions, ben, c'est tout simplement donné par ma conclusion. Donc si j'ai une solution de cette équation-là, ben, il n'y a pas de problème. Je prends lambda égale 1. Donc x de t égale 0. Lambda égale 1. Et donc, la solution U de t égale grand U et de x. Grand U de x ou grand U de x, c'est une solution de cette équation linéaire. Mais ça vérifie bien cette propriété-là. D'accord ? Alors, maintenant... Alors, je vais revenir sur un autre exemple après coup, mais je peux vous le donner là tout de suite. Bon, il y a un autre exemple. C'est... Bon, je vais pas... Maintenant, un ennemi majeur de cette classification, c'est un autre exemple formel. Donc, il faut savoir, et c'est là où intervient, pour la première fois, la méthode concentration-compacité utilise la critricité. Mais maintenant, ça n'a pas donné pour l'instant de propriété dynamique majeure. Alors, c'est maintenant que va intervenir la première information dynamique fondamentale. C'est qu'on va pouvoir écarter dans ce contexte-là l'autre exemple classique de solution de ce type. C'est les solutions self-similaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les solutions self-similaires, bon, pour l'équation des ondes, ça serait une solution de la forme U de T et de X est égale, je vais prendre un temps d'explosion à T, grand T égale 1. Voilà. Donc ça serait, et donc pour avoir le... Voilà. Alors, il faut savoir, typiquement, dans la plupart des solutions, quand vous regardez des problèmes sous-critiques, la forme naturelle de l'explosion est donnée par des solutions self-similaires. Donc, dans le cadre où T est fini, ceci serait le comportement standard. Alors, maintenant, je vais supposer que je suis compact dans K, donc en particulier F. Je vais supposer que F appartient à H1 point. Alors, en fait, par des méthodes d'ODE, on peut voir qu'il y a des solutions de cette équation, mais elles ne sont pas dans H1 point. Donc, les solutions self-similaires. Donc, si vous supposez que... Non-existence.
Voilà. Et en particulier, ces méthodes-là de démonstration, le pire cas à écarter, c'est bien des comportements de type CF similaire. Pas exactement solution d'une ODE, mais le fait que avoir des solutions avec lambda de t égale 1 moins t, c'est bon, c'est vraiment difficile à écarter. Voilà, donc ça c'est le... Alors, toujours est-il, pour mon théorème là, j'ai toujours le comportement W inférieur à U0, inférieur à gradient de W. Donc, alors, il faut aussi savoir que vous avez beaucoup de solutions de cette équation-là, mais par contre, elles sont toutes de norme H1 plus grande que gradient de W. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup des solutions de cette équation-là, y compris des non-radiales, mais par contre, on a toujours... Et donc, avec cette condition-là, c'est assez... une fois qu'on aura écarté les solutions CF similaires, c'est assez facile de se ramener à démontrer qu'il ne peut pas avoir de solution à ce seuil-là. Donc, maintenant, en fait, pour résumer la situation... donc on n'est pas obligé pour démontrer ce théorème là de démontrer cette propriété là. On va utiliser ceci. Alors maintenant, une fois qu'on a construit cette solution telle qui est compacte, on peut extraire à nouveau de nouvelles solutions pour se ramener à deux cas. Donc, une première fonction V1 qui vérifie la propriété de compacité, telle que énergie de V0. Alors, c'est une mauvaise notation. F1. F1 de T. Égale énergie critique, gradient de F1 strictement inférieur à W, est tel que, dans mon théorème, le lambda est toujours égal à 1 et mon T plus égale plus infini. Donc ça, c'est le cas, ce qu'on appelle, entre guillemets, soliton. Donc ça, c'est le premier cas 1. Et le deuxième cas, c'est une fonction g, par exemple, telle que j'ai ça, et telle que lambda de t est égal à 1 moins t. Donc ça, c'est le cas CF similaire. Donc vous avez vu, je vous avais écrit deux cas dont je peux me ramener à des sortes de paramètres de ce type-là. C'est-à-dire, je n'ai pas les fonctions, mais j'ai les paramètres qui correspondent. Alors, t plus égale 1, par exemple. Voilà. Donc, je me ramène, quitte à extraire des nouvelles suites à des suites de temps tn, à ces deux cas. Donc ça, c'est un processus général. Hein. Et maintenant, la rigidité, c'est de dire que ceci ne peut pas se produire, quoi qu'il arrive, sans condition de énergétique. Alors, cette partie-là est plus difficile et je dois utiliser la condition énergétique pour dire que ça ne peut pas se produire. Et donc, j'arrive à démontrer
à trouver une contradiction dans tous les cas. Donc dans le premier cas, dans le cas 1 et dans le cas 2, on obtient des contradictions. Alors je vais juste vous dire comment on obtient des contradictions. Donc sur l'existence de F ou l'existence de G. Sauf, alors parce que j'ai oublié de préciser, comme j'ai raisonné par l'absurde, je suis à un niveau d'énergie strictement inférieur à W. Sauf si l'énergie critique est égale à énergie W. Donc le seuil énergétique sur lequel le théorème est faux est bien le seuil de l'énergie de W. Et ça, ça démontre mon théorème, en fait. Alors comment on démontre ces hypothèses-là, ces propriétés-là? Ben, c'est en fait... c'est des formules. Alors... Je vais peut-être faire une pause maintenant et après je vous introduirai les formules. Mais peut-être je suis allé un peu vite là. C'est normal, hein, parce que j'essaye de... C'est des choses qui sont un peu passées dans la littérature et en même temps j'essaye de juste de présenter les idées, pas la technique. Pour pouvoir me concentrer pour la suite. Mais si vous avez des questions, je suis tout de suite. Voilà, on peut faire 5 minutes de pause, vous pouvez venir me voir pendant la pause. La non-existence de 1 ou 2 va être toujours reliée à des inégalités, enfin à des identités sur les solutions générales sur les solutions de l'équation. Alors il n'y en a pas tant que ça, mais les deux identités qu'on va utiliser dans le cas 1 et dans le cas 2 sont différentes. Hein. Alors, dans le cas 1, ça c'est ce que j'appelle le cas soliton. Je vais vous écrire les identités. Donc vous avez essentiellement une solution dans le cas 1. Comment exclure le cas 1? Alors, c'est un cas qui est difficile à exclure parce que il faut utiliser cette quantité-là. Hein? Sans cette quantité-là, il y a des solutions. Hein? Donc, l'identité qu'on va utiliser est reliée à l'identité de Poiseuille pour l'équation elliptique, hein, tout simplement. Alors, la première chose qu'on remarque, alors je vais écrire, c'est des localisations en espace de ces fonctions-là, mais pour, de façon générale, pour des solutions, disons, à support compact, on a cette identité-là. Donc la variation de x fois l'énergie, donc c'est dx, hein, donc c'est... Donc, voilà. Tx, voilà. Donc, c'est... alors, on peut en penser ça comme ça, d'abord. C'est la variation en temps de cette quantité-là et un multiple de cette quantité-là. Alors, quand on localise, la magie des solutions compactes, c'est qu'en fait... Donc, on n'est pas une solution compacte n'est pas une solution à support compact, évidemment. Mais en fait, on peut utiliser ces identités-là comme si la fonction était à support compact. Donc, ça demande un peu de technicité, mais on y arrive. Et donc, on a ça, et on remplace ça par quelque chose de ce type-là. Et là, c'est une localisation autour du centre x de t qu'on peut... Donc ça, c'est la première identité. La deuxième identité, c'est tout simplement la quantité que j'ai écrite là,
sa variation, c'est un invariant du mouvement dans l'espace d'énergie. Donc, dans l'espace d'énergie, on n'a pas un invariant du mouvement, qui est juste l'énergie, on a l'énergie et le moment. Ça s'appelle le moment, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, comme je suis avec une fonction énergie strictement positive, ben, cette quantité-là, je vais pouvoir dire qu'au premier ordre, disons, au premier ordre, c'est égal à x de t fois l'énergie de ma donnée initiale. Je vais réécrire U0, U1, bien que je travaille avec ma fonction f. Et donc, comme je récupère, j'ai ici un invariant du mouvement, j'ai que x de t se comporte essentiellement comme alpha t. Je récupère bêta t, si vous voulez. Alors, ça veut dire précisément quoi? C'est que x de t sur t converge vers bêta quand t tend vers l'infini. Bon, alors ça, c'est une première chose, mais ça ne donne pas de... de contradiction, mais ça clarifie une première chose, c'est que je... Alors maintenant on peut dire, mais est-ce qu'il y a des solutions sous cette forme là et en fait oui, c'est inhérent à l'équation des ondes et je vous les écrirai plus tard. C'est les transformées de Lorentz de W. Enfin, je peux vous les écrire tout de suite. Alors, remarque, on a bien des solutions de ce type-là. Donc, vous avez W de X qui est une solution. Et maintenant, WL de T de X qui est égal à W. Alors, je prends X1 une direction quelconque, moins TL. 1 moins L2, L est strictement inférieur à 1, X1 est d'une direction quelconque, X2, X3, hein, qui est en dimension 3. Alors ceci, ça a une forme, hein, W est explicite. Alors ceci, c'est aussi une solution de l'équation des ondes. Non linéaire. Hein. Et donc, je suis bien dans cette configuration-là. Donc, bon, je n'ai pas... ça ne suffit pas pour obtenir une... Alors, maintenant, je vais revenir à mes identités. Donc, en fait, je vais sortir une autre type d'identité qui est en fait une combinaison linéaire de deux identités. Alors, à nouveau, voilà. Alors, je pensais à nouveau pour des solutions compactes, pour que je n'ai pas de problème de ce type. Donc, ceci a une est explicite. Voilà. Donc, j'ai 6. Gradient U moins U6 et cette quantité là c'est gradient U moins carré plus U6. Voilà, donc je vais prendre en fait une combinaison linéaire de ces deux identités. Elle existe hein, telle que j'ai la chose suivante. Alors, vous, là,
vous allez me dire que U n'est pas dans L2. Mais en fait, là vous voyez, j'ai un X là, hein, donc X gradient de U, il n'est pas non plus dans L2. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est X, X. Alors maintenant, cette quantité-là, alors vous avez une autre identité en dimension 3 ou en dimension n plus grande que 3, qui est, alors vous avez Sobolev et vous avez l'inégalité de Hardy. Hein, et donc, si, juste une petite remarque, si gradient de U est fini, et que U est en champ point, tout simplement, alors vous avez cette quantité-là, avec une constante explicite qui est reliée à la dimension. Voilà. Et par contre, il ne faut pas chercher les minimiseurs, il n'y a pas de minimiseur à cette identité. Et ce n'est pas du tout relié à la fonction W. Donc, mais par contre, vous voyez bien que ces deux quantités-là sont de même type. Et donc, on peut trouver une combinaison linéaire de ces deux quantités, je ne vais pas le réécrire, tel que j'obtiens quelque chose, un gradient. Alors, ce n'est pas une constante, en fait, c'est plutôt 1/2 et 1/2, moins U6. Voilà. Donc, oublions ça. Voilà. Je vais mettre égal. Alors, à nouveau, je peux localiser les choses. Et maintenant, voilà apparaît la magie. J'obtiens plus, non plus l'énergie, mais j'obtiens le gradient au carré moins U6, et qui est en fait l'équivalent, P de ZF, pour cette équation. Alors, on peut tout de suite voir que cette quantité est magique. Je vais écrire cette propriété-là. Alors, si le gradient de U est strictement inférieur à gradient W, alors ceci est strictement positif, sauf pour U, ça vaut 0 en 0, mais c'est strictement positif dans toute la cuvette. Alors, c'est facile à voir, car en fait, vous partez du fait que W est solution de cette équation. Donc vous multipliez par W des deux côtés, vous pouvez tout à fait, et vous intégrez par partie, et vous trouvez cette identité-là. Maintenant, vous allez utiliser que U... Oups. Est inférieur à W. Vous allez utiliser que U6 est strictement inférieur à C3 carré 3, et vous pluguez ça là-dedans et vous trouvez que c'est coercif, en fait. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Donc l'optimum, ça serait pour un multiple de W, et vous voyez que vous obtenez une sorte de contradiction. Hein? Donc pour chaque niveau d'énergie donné, enfin gradient W donné, la quantité la plus petite sera obtenue par un multiple de W. Et en fait, le premier qui s'annulera, ça sera pour le multiple 1W. Donc tous ceux qui sont inférieurs sont strictement positifs. J'ai pas besoin de détailler ça, hein, c'est bon. Donc ceci est coercif. Donc c'est
comme je suis à un niveau d'énergie donné, donc je sais que ma fonction va être bien coercive, donc cette constante va dépendre de la taille de mon gradient qui va être lié à l'énergie, comme toutes les énergies sont équivalentes et que j'ai ce terme-là. Donc je vais trouver un alpha qui va être indépendant de t, alpha 0. Et donc cette quantité-là, elle va être au moins de taille t. Bon, et vous me dites, mais il n'y a aucune contradiction jusqu'à maintenant. Parce que j'ai dit que c'est... Et donc ça voudrait dire que x de t, en quelque sorte, est inférieur à alpha fois t. Bon, c'est... Donc, puisque cette quantité-là, la dérivée en temps est de plus grande qu'un alpha 0, bon, essentiellement, ça implique que mon centre, où j'ai mon énergie, croît comme t. Et là, je vous ai dit essentiellement que ça se comportait comme ça, donc pas de problème. Alors, c'est là où il faut à nouveau faire intervenir un peu une petite intuition. C'est qu'en fait, pour mon objet minimal, alors ce bêta en fait est explicite, hein, c'est mon invariant du mouvement. Pour l'objet minimal, bêta égale 0. Alors, maintenant, j'ai une contradiction. Si j'ai bêta égale 0, j'ai le premier fait, c'est que x de t sur t tend vers 0, et là que x de t sur t est plus grand en module qu'une constante. Donc j'ai une sorte de contradiction. Donc, alors cette quantité-là, le fait est égal à 0, n'est pas relié à une identité. C'est relié à la minimalité. Alors, ce n'est pas équivalent, mais c'est impliqué par la minimalité. Bon, alors, alors pourquoi? Alors là, cette partie-là est technique. Je ne vais pas détailler les calculs, qui d'ailleurs ont été simplifiés un peu. On a écrit un papier récemment où on simplifie outrageusement cette démonstration dans le papier initial. Mais c'est la chose suivante. Alors, vous avez une invariance de l'équation qui est l'invariance de Lorentz. Alors, elle est écrite quelque part, je voudrais bien la retrouver, voilà. Voilà. Donc, si U de T et de X est solution, alors, pour L, alors je vais l'écrire non pas comme vecteur, mais comme un scalaire, L inférieur à 1, et je vais prendre tout de suite une direction X1. Alors V de t et de x qui est égal à U de x x prime. Alors t L moins x1 sur 1 moins L2 et aussi solution. Alors malheureusement il y a eu beaucoup de petite imprécision sur ceci. Alors, il faudrait bien que je précise pourquoi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, c'est une invariance de l'équation supplémentaire, mais cette fois-ci, elle est pas, elle casse une certaine symétrie. Elle mélange. Alors, excusez-moi, c'est un x, hein, et ça x prime. Donc, x, c'est x1, x2, x3. Là, j'ai contracté en x prime. Hein. Donc ça, c'est les x2, x3. Donc je ne bouge pas les variables x2, x3. Je mélange la valeur de x1 avec celle de t.
Et donc, j'ai une invariance de l'équation, non pas à... pour t fixé, je peux construire une note donnée initiale, enfin, mais je dois mélanger x et t. Alors, en particulier, il y a une petite complication qui fait que c'est pas évident forcément de récupérer une note donnée initiale dans l'espace d'énergie. Alors, on a démontré récemment avec, de façon générale, quelle que soit elle, quelle que soit la direction x1, donc le repère orthonormé, cette nouvelle donnée initiale sera dans l'espace d'énergie. Il n'y a pas de raison de base, mais en fait c'est vrai. Donc ça nécessite une démonstration. V0, V1, dans H1, croix L2. Alors, donc la démonstration telle que je vous l'énonce, écrite dans un papier récent paru sur Archive, voilà. Donc c'est un fait qui d'ailleurs qui vient en fait d'une propriété de l'équation linéaire. Donc en fait, parce qu'on doit s'appuyer sur des calculs explicites en fait, et donc on vérifie ça d'abord pour une solution de l'équation linéaire. Et ensuite, on adapte pour l'équation non linéaire. Mais il faut d'abord le démontrer pour une solution à l'équation linéaire. Donc ça, c'est une théorie, c'est purement intégrale oscillante avec des formules explicites. Hein. Voilà. Et en particulier, vous avez une propriété que si U, la norme L8, de la solution si donc alors je vais peut-être changer de côté, je vais peut-être écrire là, si la norme L8 de la solution U est finie ou infinie, alors ça sera vrai pour V, quelle que soit elle. Donc quelle que soit elle, quel que soit X1, le repère orthonormé. Si la solution U est finie, et réciproquement, alors j'écrivais, oui c'est ça, la norme L8, sera finie. Bon, et ça transforme une solution compacte en une autre solution compacte. Donc si U compacte, alors, vous fixez V, X, L, et X1, X2, alors V est compact. Okay. Donc, vous pouvez modifier votre donnée initiale. Et en fait, un calcul asymptotique peut vous montrer que... Donc, je n'ai pas une seule solution, mais j'ai toute une famille de solutions. Or, j'ai calculé l'énergie, entre guillemets, minimale, que sur U. Mais en fait, je dois la calculer sur toute cette branche de solution, parce que je sais que dans mon théorème, pour mon objet minimal, j'avais que l'énergie était minimale parmi toutes les solutions qui n'avaient pas... Enfin, maximale plutôt, l'énergie est maximale parmi toutes les solutions qui avaient un comportement linéaire. Et en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que si le moment est non nul, alors je peux trouver un L par calcul explicite, tel que l'énergie de V, alors V0, V1 si vous préférez, est strictement inférieure à EC. Et j'aurai cette quantité-là aussi. Bon. Voilà. Donc je prends un L tout petit. Je vais bouger légèrement mes conditions initiales et je vais bouger de telle façon à utiliser un peu le moment.
et je vais pouvoir diminuer l'énergie de cette quantité-là. Alors j'applique le fait maintenant que j'ai un élément minimal, donc si je descends l'énergie, je peux dire que je suis sous le seuil critique, donc j'ai un comportement linéaire. Donc, si j'avais ça, la norme L8 de V est finie, ce qui implique par rapport à ce que je vous ai dit là, ceci n'est pas complètement évident, hein, bien sûr, mais ce qui est contradictoire. Donc, forcément, pour tout minimiseur, je dois avoir le moment nul. Hein, c'est normal parce que l'énergie se décompose comme une énergie de la solution, disons, qui ne bouge pas trop, et une énergie cinétique de translation. Alors, si vous minimisez l'énergie par rapport aux solutions qui ont des comportements non linéaires, vous ne devez pas avoir d'énergie cinétique, essentiellement. C'est ça le principe. Voilà, donc j'en déduis ça, et j'en déduis bien une contradiction. Donc ceci, pour ma solution 1 égale 0, et j'ai bien une contradiction avec ceci. Alors, sous une certaine hypothèse technique, on a démontré, en fait, sans cette hypothèse-là, récemment, que si j'avais une solution compacte, alors on est bien sous la forme, la transformée Lorentz d'une solution de l'équation elliptique, de façon générale. Donc c'est une autre démonstration, mais beaucoup plus poussée, disons. Voilà, alors ça écarte ce cas-là. Alors maintenant, je vais vouloir écarter ce cas-là. Alors il faut savoir, c'est un cas très sérieux qui pouvait poser de gros problèmes. Mais en fait, on va utiliser une autre fonctionnelle pour trouver une sorte de contradiction. Alors, je vais peut-être un peu moins détailler ce cas-là. Alors, dans le cas, temps d'explosion fini. Alors, je vais faire plusieurs schémas. Je vais faire cette fois-ci une démonstration moins détaillée. Hein. T égale 0. Voilà, donc je pars avec une certaine donnée initiale. Je suis compact. Alors ça, c'est être compact et explosif, c'est un peu exceptionnel. Donc, on a plus ou moins essentiellement le cas le plus simple, comme j'avais dit, c'était les solutions safe similaires. Voilà, et donc on veut écarter ce cas-là. Alors, c'est un cas particulier d'un théorème que je vais énoncer un peu plus tard. On va avoir un comportement à l'explosion très, très, très précis. Donc, toute l'énergie va aller à un point. Voilà. Là, on utilise la vitesse de propagation finie. Ça c'est pas la vitesse de propagation finie, mais par contre, c'est la suite. Alors, c'est ce schéma qui est la vitesse de propagation finie. Donc, il existe un point x0 tel que toute l'énergie va aller là, et ici, la solution va être identiquement égale à 0. Et quand je dis ici, c'est sur cette partie-là. Donc j'ai t, et ici j'ai x ou j'ai r, si vous voulez. Alors, ce cas-là est compliqué à écarter dans le cas non radial, mais dans le cas radial, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, dans le cas radial, x0 est tout simplement égal à 0. Hein.
Alors, pourquoi j'ai ça? Vous avez une première chose qui est la vitesse de propagation finie pour ma solution. Donc, placez-vous dans le cas radial. Si vous avez une fonction, disons, commençons par la donnée initiale. Prenons, supposons que la solution est non nulle pour tout. Et je prends une petite donnée ici. Alors la solution, si je prends une toute petite, donc elle est d'énergie finie, donc je prends la queue telle que l'énergie de la queue est très petite. Donc vous savez que si l'énergie est très petite, la solution de l'équation non linéaire sera une petite perturbation de l'équation linéaire. Mais il faut aussi utiliser la vitesse propagation finie, c'est que en fait la solution de l'équation qui partent avec la petite queue, va coïncider avec toute la solution sur cet ensemble-là. Maintenant, si cette quantité-là est non nulle, essentiellement, cette quantité-là va être non nulle. Maintenant, ceci est impossible, parce que mon lambda de t va se compresser là, donc toute l'énergie va être là, et donc je ne peux pas avoir une partie de l'énergie qui est là. Et donc, je dois avoir zéro. Et quand je remonte, Et c'est pareil jusque-là. Donc je vais en déduire qu'en dehors de ce cône-là, alors peut-être qu'il me faudrait créer de couleurs. Bon, c'est pas grave. Donc je vais tout simplement. Voilà, en dehors de ce cône-là, la fonction est identiquement nulle. Alors ça, c'était l'hypothèse où j'utilise à fond l'explosion en temps fini. Donne que le support, disons dans le cas radial par exemple, sinon c'est juste par rapport à un point x0, le support de x est inclus dans la boule de centre x0 et de rayon 1 moins t. Voilà. Alors, maintenant, une fois que... Donc ça c'était la première étape. Donc, en fait, une autre façon de voir les choses qui a été, en fait, qui peut se généraliser à d'autres équations, j'ai une solution compacte, particulière, je pars sans trop savoir, et je gagne de la décroissance à l'infini. Alors là, c'est bien plus que de gagner la décroissance à l'infini, je démontre qu'elle est identiquement nulle à l'infini. Donc c'est bien plus fort. Dans les problèmes de façon générale, équation dérivée partielle, ce qu'on démontre, on n'a pas la vitesse, forcément la vitesse pour l'infini, donc le but c'est de gagner la décroissance à l'infini pour pouvoir utiliser des lois de conservation qui n'existent pas dans l'espace ad hoc. Et maintenant, donc là j'ai vraiment fait un énorme gain de décroissance à l'infini, j'ai montré que la fonction était identiquement nulle ici, et ensuite je vais utiliser une fonctionnelle que j'avais introduite avec Atemzak, là, qui est d'ailleurs ici, wt, alors je vais écrire w de s et de y, y c'est x moins x0 sur 1 moins t, alors je vais diviser par, je vais multiplier par 1 moins t puissance 1 demi, u de t, u de x, voilà. Donc le x est relié à, et y sont reliés par cette quantité-là. Et donc, comme j'avais démontré que le support est là, ce que je sais, c'est que... Alors s, c'est aussi égal à moins log de 1 moins t. Et w de s et de y est égal à 0 pour y supérieur ou égal à 1. Parce que ce que j'avais dit, bon, c'est... on peut démontrer par continuité que la fonction est égale essentiellement 0 sur le bord de la... Alors ça va me permettre d'utiliser des fonctionnels avec des quantités singulières sur le compte de onde. Donc ça existe. Elles ne sont pas définies de façon générale dans l'espace d'énergie, mais pour les fonctions de ce type-là, elles existent et elles me donnent
Et bon, je ne vais pas les écrire et tout ça. Donc, fonctionnel. Sur W. Donc, tel que le support de W pour tout S est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Vont me dire que, en fait, W de S, pour simplifier, égale 0. Donc la dérive. Alors S, c'est ce qu'on appelle une transformation self-similaire. Et si je l'avais appliqué sur ma solution self-similaire, j'aurais obtenu W égale constante. Et j'obtiens par cette transformation-là que WS égale 0, ce qui revient à dire que W est identiquement égal à ma fonction f qui était la solution self-similaire. Alors maintenant, je suis ramené à l'équation elliptique self-similaire et je sais qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est terminé. Donc j'ai démontré dans les variables self-similaires que W, la dérivée en temps de WS, était identiquement égale à 0 par une fonctionnelle ad hoc. Donc W est égal à exactement pour tout S à une fonction Y qui vérifie l'ODE pour les solutions self-similaires. Et les solutions self-similaires, bon, ça se calcule et on démontre que ça ne peut pas exister. Alors ça peut être fait dans le cas radial et dans le cas non radial aussi. Voilà, de façon un peu plus compliquée. Donc c'était un peu le principe de démonstration. Voilà, que je voulais vous expliquer. Alors, voilà, donc, maintenant, je vais donc, essentiellement, je vous ai démontré le théorème que je vous avais énoncé dans le cas. Alors, juste une remarque. Ça, c'est vrai, j'ai un peu oublié de le faire. Mais je vais le faire assez rapidement. Mais c'est important, peut-être, de le faire. C'est de faire l'autre cas. Et peut-être, ça terminera la séance d'aujourd'hui. Donc, l'autre cas qui était dans le théorème, le cas 3i. Donc, si la gradient de U0 grand à W, U1, alors T est fini. Bon, alors c'est une démonstration classique qu'il faut juste revoir. Je vais juste vous donner les ingrédients. C'est à nouveau des ingrédients variationnels et une identité. Donc je vais le faire dans le cas où U0 est dans L2, mais ça peut être à nouveau cette quantité. Le fait que c'est dans L2 n'est pas nécessaire. On peut utiliser la vitesse propagation finie pour éviter ce problème-là. Mais je vais le faire dans ce cas-là, parce que c'est plus simple. Donc voilà. Alors, comme on a vu précédemment, si j'ai cette quantité-là, j'aurai toujours, pour tout temps, alors, ça va être un peu plus précis que ça, comme j'ai une inégalité stricte, je peux vraiment démontrer que c'est toujours supérieur à alpha 0. J'aurai besoin de ce alpha 0, hein, parce que toutes mes identités dégénèrent quand U égale W. Voilà. Et donc, je pars sur l'identité qui avait été utilisée par Levin dans sa démonstration pour l'explosion sous critique, c'est-à-dire énergie négative implique explosion. Et je regarde les détails. Donc je prends y de t égale u2. Voilà. Donc je ferai une première dérivée, y prime
de t égale 2 fois UUT. Et je prends y seconde. Alors, bon, on peut faire les calculs. Et je vais vous donner le... Donc, on obtient 2 fois UT carré plus U6 moins gradient de U carré. Alors, vous voyez qu'apparaît à nouveau la même quantité que j'avais utilisée dans l'autre cas. Mais cette fois-ci, essentiellement, j'insigne moins ici. Hein, donc ça va être légèrement différent, la démonstration. Parce que je dois utiliser l'énergie de W. Hein. Donc, après quelques transformations, je vais utiliser. Je vais utiliser. L'U6, je vais utiliser l'énergie dont je multiplie par. Donc, comme j'ai 2 fois U6, dont je récupérais. L'énergie, je sais que l'énergie est strictement inférieure à l'énergie W, et donc par là j'obtiens Y2 est supérieur, alors je vais écrire exactement 8, 4. Hein. Donc pour U6, j'utilise l'identité de l'énergie, hein, et j'utilise le fait que l'énergie de ma donnée initiale est strictement inférieure à l'énergie de W. Donc, voilà, gradient de U au carré, moins gradient de W au carré. Alors, je vais utiliser aussi une formule qui relie l'énergie de W au gradient de W. Alors, juste une remarque, ce que je vais utiliser, c'est que l'énergie W peut être écrite. Alors, je crois que c'est un tiers de gradient W. Comment on démontre ça? Tout simplement, l'énergie de W, 0, c'est un demi de gradient de W moins un sixième de U6. Alors, W6, maintenant W6, je sais que c'est égal à, en multipliant l'équation par W, à mon gradient au carré, donc je développe. Et j'obtiens soit 2 tiers, soit 3 tiers. On va le faire. Donc ça fait 3 sixièmes moins 1. Donc ça fait bien 1 tiers. Voilà. Donc ça fait 2 sur 6 que je simplifie. Et ça fait bien 1 tiers. Et donc... là, j'ai utilisé que U6 pouvait être lié à l'énergie de la donnée initiale et les autres quantités. Ensuite, l'énergie de la donnée initiale, j'utilise qu'elle est strictement inférieure à l'énergie W, qui est elle-même égale à ça. Et quand vous pluguez tout ça là-dedans, vous trouvez cette formule-là. Avec cette quantité-là, qui est strictement positive, qui est reliée à la différence des énergies. Voilà. Alors... Ben écoutez, là c'est déjà très bien. Donc j'ai une quantité donc apparaît 4 fois la différence voilà, qui est strictement positive. Sinon j'aurais pu utiliser ceci qui est aussi strictement positif par ma relation là. En tout cas, tout ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Enfin, c'est une constante. Donc, ce que j'obtiens rapidement, donc je suppose que ma solution est définie pour tout temps. Donc, les calculs sont vrais, quel que soit t, positif. Donc, il existe t0, tel que donc y seconde est supérieur à une constante fixe, positive,
tel que y' de t0 est positif. Hein, et y de t0 est bien sûr positif. C'est une quantité positive. Et je vais me concentrer sur les informations que j'ai en t0. Alors, maintenant, je n'ai plus besoin de ça. En t0, j'ai y seconde qui est supérieur à 8 fois du t carré, quel que soit t plus grand que t0. Alors, je multiplie par y de t, ut carré, ut. Alors, maintenant, je vais utiliser, maintenant que y prime, c'est égal à 2 fois u, ut, et qui est majoré par Cauchy-Schwarz, par ut carré puissance t, le tout puissance 1 demi. Voilà. Hein. Donc c'est ce que j'obtiens. Donc le puissance 1 demi, donc c'est tout simplement 2 fois y' carré. Voilà, donc j'ai une identité explosive sur y, et ce qui va me permettre de conclure par la méthode classique. Hein, donc c'est peut-être pas là. En fait, il est classique de démontrer que cette solution explose, et le plus simple, c'est de passer en variable logarithmique. Donc par intégration à partir de t0, quel que soit t0, on a bien y' supérieur à une constante qui dépend de t0, y au carré. Et donc ça, c'est explose en temps fini. Alors, le fait que cette quantité-là soit finie ne joue pas un rôle essentiel, et on peut tout à fait démontrer l'explosion indépend par des localisations de cette quantité-là. Donc on localise la donnée initiale à x égale r essentiellement, et on démontre un théorème explosif sur une localisation. Donc voilà pour l'autre côté. Et je vais peut-être m'arrêter ici, mais je voudrais bien, comme j'explique essentiellement des idées, si vous avez des questions techniques sur certains points, est-ce que vous pouvez poser ou... Voilà. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter l'équation des ondes. Il y a certains résultats qui sont vrais pour d'autres équations, mais cette équation est particulièrement simple à manier, car en fait, vous avez la vitesse de propagation finie. Et donc, tout ce qui est peut être très difficile pour d'autres équations de gagner des décroissances à l'infini, ou etc., ici est très simple. Très souvent, on démontre, par exemple, dans le cadre des solutions CEF similaires, démontrer la décroissance à l'infini, essentiellement, ça suffit. On démontre beaucoup plus, on démontre que la fonction est identiquement nulle au voisinage de l'infini. Donc c'est bien plus fort, en quelque sorte. Et donc les principes de démonstration sont plus clairs, hein, en fait, hein, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Juste une chose, si tu considères Klein Gordon au lieu des sondes, en fait, c'est... Il y a un problème aussi ou... Alors, Klein-Gordon, ben, pour ça, non, ça a été fait. Hein, c'est même presque plus simple, puisque, en fait, il n'y a pas une famille de solitons, il n'y en a qu'un. Alors, par contre, on n'a pas telle quelle une invariance par changement d'échelle, mais ce qui est important, c'est dans le cas explosif. En fait, s'il y avait quelque chose qui se produisait dans le cas explosif, on se ramènerait essentiellement à quelque chose relié à l'équation des ondes. Donc,
Et c'est cette analyse-là qui permet de conclure. Mais non, ça a été fait pour l'équation de Klein-Gordon, hein, pour ce théorème, le théorème dont j'ai parlé. Je ne parle pas le théorème final que j'ai énoncé. Oui, mais le théorème final. Ah, le théorème final, ça c'est une autre chose. Ça c'est. Mais pour Klein-Gordon, oui, ça serait. Mais la démonstration telle qu'on l'a ne permet pas de conclure sur le théorème final. Ça ne permet pas de conclure. Bon, il y a certaines propriétés qu'on a pour l'équation des ondes qu'on utilise qui ne sont pas vraies pour l'équation de Klein-Gordon. Mais il faut savoir que le théorème final que j'ai énoncé est connu que dans le cas que j'ai énoncé, c'est-à-dire l'équation des ondes. Donc dès que vous avez une équation différente, le résultat n'est pas connu. Donc c'est voilà. Mais ça implique que le résultat n'est pas stable par rapport à la vitesse de progression finie. Non, c'est la démonstration. Le résultat doit être vrai. Mais c'est le seul cas où qu'on sait démontrer. Bon, voilà, peut-être on s'arrête là. C'est un bon moment de s'arrêter. La semaine prochaine, je repartirai sur d'autres choses qui sont indépendantes, qui sont plus reliées à la démonstration du théorème de décomposition. Voilà. Et là, par contre, on fera des démonstrations peut-être plus détaillées. Je serai plus précis dans les démonstrations. Voilà.